Les conditions climatiques sont des facteurs majeurs pour le bien-être et le développement de la société, dont les impacts se ressentent à tous les niveaux, allant de la vie individuelle aux économies mondiales. Mais la puissance du climat peut également se tourner contre nous, provoquant inondations et sécheresses, vagues de chaleur et ouragans. Si nous ne sommes pas préparés, ces phénomènes extrêmes peuvent causer de grandes pertes pour nos économies, voire la perte de vies humaines. Avec le temps, l'homme a essayé de comprendre le climat afin de l'utiliser à son avantage, comme exploiter les vents favorables pour prendre la mer et les périodes clémentes pour semer et moissonner. Savoir le temps qu'il va faire contribue à notre croissance économique et à maintenir nos modes de vie modernes. La disponibilité de prévisions météo fiables revêt une importance capitale dans l'organisation de notre vie de tous les jours. Dans le passé, l'on essayait de prédire le temps en observant les phénomènes naturels environnants. Mais les réels progrès n'ont vu le jour qu'au XXe siècle, avec l'arrivée des ordinateurs électroniques programmables, ceux-là même qui ont ouvert la voie à la prévision numérique. À la fin des années 60, de nombreux scientifiques européens pensaient qu'il serait possible de faire des prévisions météo pour les prochains 10 jours. De telles prévisions météorologiques à moyen terme seraient hautement bénéfiques pour la protection, la sécurité et le développement économique de la société. Dans ce contexte, les gouvernements européens acceptèrent de conjuguer leurs ressources individuelles et créèrent une organisation internationale dans le but de développer, d'améliorer et de fournir des prévisions météo à moyen terme. C'est ainsi qu'est né le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, CEP-MMMT. Le CEP-MMT a été créé par une convention ratifiée par 18 États membres en 1975. Les principaux objectifs du CEP-MMT sont de fournir des prévisions météorologiques à moyen terme à ses États membres et à tous les citoyens européens afin d'émettre des alertes anticipées en cas de conditions météorologiques extrêmes. Le CEP-MMT est un leader mondial dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, plus de 30 États adhèrent au CEP-MMT. L'objectif du CEP-MMT est de fournir les meilleures prévisions numériques à l'échelle du globe à ses utilisateurs et États membres. Comment ces prévisions sont-elles acquises? Que faut-il pour prédire le temps? Une prévision météo numérique est une prévision faite à l'aide d'un ordinateur. Nous utilisons les lois élémentaires de la physique et des techniques mathématiques. Nous programmons le tout dans un ordinateur, puis calculons le temps qu'il fera. Trois principaux composants sont nécessaires au processus de prévision numérique. Tout d'abord, un ensemble d'observations décrivant les conditions atmosphériques actuelles. Ces observations sont recueillies par exemple directement par les stations météo et les ballons météo, ou encore à distance par les satellites. Deuxièmement, un modèle mathématique qui divise l'atmosphère en une grille quadrillée, puis calcule les variations de température, de pression, d'humidité et de vent. Enfin, un superordinateur très puissant qui exécute le système de prévision numérique et effectue les calculs sur chaque point de grille du modèle. Le système de modèle numérique du CEP-MMT est réputé produire les meilleures prévisions météo numériques au monde. Près de 100 scientifiques du département de la recherche s'attachent en permanence à améliorer le modèle. Mais quel est le secret de leur succès? L'art de la modélisation météorologique consiste à trouver le meilleur moyen de représenter les processus complexes de notre système terrestre sous une forme informatique simplifiée. Plus la puissance informatique est grande, mieux l'on parvient à représenter l'atmosphère. Le CEP-MMT a également mis au point une méthode sophistiquée permettant d'intégrer toutes les observations météorologiques disponibles dans son modèle. Chaque jour, le CEP-MMT reçoit un total d'environ 300 millions d'observations. La grande majorité de ces données, et les plus importantes d'entre elles, proviennent des satellites soit géostationnaires, soit placés sur orbite polaire. Les observations sont également transmises par les stations météo sur Terre et en mer, ainsi que des mesures provenant des avions, bouées, radiosondes et systèmes de radar. Cette vaste quantité de données sert à déterminer l'état de l'atmosphère le plus précisément possible dans chaque maille du modèle numérique pour obtenir ce que l'on appelle une analyse. Ces données sont des conditions initiales pour le modèle numérique et sont indispensables à des prévisions de haute qualité. La préparation des conditions initiales est une tâche compliquée et exigeante. Malgré les formidables avancées dans la production des meilleures analyses possibles et la capacité des scientifiques à mieux exploiter toutes les observations disponibles, il restera toujours une incertitude dans les conditions initiales du modèle.
Tout d'abord, il y a l'erreur dans l'état initial. Quel temps fait-il aujourd'hui? Nous ne le savons pas exactement. Ce n'est qu'une estimation de l'état de l'atmosphère, et c'est pour cela que les prévisions ne sont pas totalement exactes. Vient ensuite l'exactitude du modèle. Nous sommes face à une résolution limitée. Nous ne pouvons décrire chaque détail du temps, et donc, tôt ou tard, nous arrivons à des erreurs de prévision. Ces incertitudes conduisent inévitablement à des inexactitudes dans les prédictions du modèle, surtout pour les prévisions à plus long terme. C'est là qu'intervient la méthode de prévision d'ensemble. Une prévision d'ensemble implique d'exécuter non pas une seule prévision météo par jour, mais un très grand nombre. Nous exécutons 50 prévisions météo toutes les 12 heures, ce qui revient à 100 prévisions météo par jour. Cela permet aux prévisionnistes de déterminer s'ils peuvent se fier aux prévisions du lendemain, du jour suivant, voire de la semaine suivante, ou s'il s'agit d'une prévision qui est incertaine. Les prévisions météo numériques du CEPMMT sont l'une des sources d'informations les plus importantes pour les météorologues. Ces derniers fournissent des prévisions météo adaptées aux différents clients, comme les services d'intervention d'urgence, le transport, les médias et le grand public. Nous utilisons les produits du CEPMMT pour le service météo opérationnel quotidien. L'avenir est dans les prévisions météo à moyen et long terme, là où le CEPMMT joue précisément un rôle majeur. C'est l'un des meilleurs centres de prévision météo au monde et tous ses États membres sont déterminés à conserver cette position. Le CEPMMT est l'un des rares centres au monde à fournir des prévisions sur une période allant au-delà de 15 jours. Ces prédictions mensuelles et saisonnières ne peuvent répondre à des questions précises comme « pleuvra-t-il à Paris le dernier jour du mois prochain ?» mais elles indiquent si le mois prochain ou la saison prochaine risque d'être plus chaud ou plus pluvieux que d'ordinaire. De telles informations peuvent revêtir une importance vitale dans le domaine de la protection sanitaire, avec par exemple des systèmes d'alerte anticipés de malaria en Afrique. Le modèle du CEPMMT intègre également les prévisions de l'état de la mer. Ces prédictions peuvent servir à déterminer la trajectoire optimale d'un navire pour effectuer le parcours le plus rapidement possible et économiser le maximum de carburant tout en évitant les forts vents contraires et les mers houleuses. Le facteur temps est l'essence même des prévisions météorologiques. Il est crucial que tous les produits de prévision du CEPMMT arrivent à l'heure, à l'endroit où ils sont attendus. La plus grande priorité est donnée à la dissémination rapide et fiable des produits. Toutes les prévisions et analyses des modèles opérationnels fournis par le CEPMMT sont conservées dans ces énormes archives qui aujourd'hui constituent l'ensemble de données météorologiques le plus complet au monde. Elles contiennent aujourd'hui plus de 10 pétaoctets de données constituées d'observations, d'analyses, de prévisions opérationnelles et de recherches expérimentales. Ces archives ne sont pas exclusivement utilisées en interne par les chercheurs du CEPMMT, mais aussi par nos États membres et la vaste communauté de chercheurs météorologiques. Les archives servent aux études météorologiques et environnementales, mais aussi à des fins pédagogiques et commerciales. Les données satellitaires fournies par EUMETSAT, l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques, sont largement exploitées pour améliorer les systèmes de modèles. Grâce à l'augmentation des mesures satellites, le CEPMMT a pu intégrer des informations sur les températures et les niveaux d'humidité à l'échelle mondiale pour des régions où peu de mesures sont effectuées sur place. Le CEPMMT et EUMETSAT coopèrent depuis de nombreuses années, profitant mutuellement du partage des données et des compétences. La relation particulière établie entre le CEPMMT et l'EUMETSAT est cruciale pour fournir à EUMETSAT des retours d'informations sur l'exactitude et la pertinence de ces données satellites. La formation et l'éducation revêtent un aspect très important. La sophistication des modèles et des techniques nécessite des informations ciblées et le CEPMMT propose un large éventail de formations et d'activités éducatives. Les thèmes abordés vont de la prévision numérique à l'exploitation des produits du CEPMMT. Le centre accueille également des échanges scientifiques au sein de la communauté de chercheurs. De nombreuses idées visant à améliorer les systèmes de modèles ont germé pendant les ateliers scientifiques organisés par le CEPMMT.
Le CEPMMT s'est imposé en tant qu'organisation européenne performante et unique en son genre. Au fil des ans, le Centre n'a cessé de fournir à ses États membres et autres États coopérants des prévisions numériques de la plus haute qualité. Mais le succès ne s'arrête pas là. Le CEPMMT a de nombreux projets pour l'avenir. Le but stratégique sera de conserver la place que nous avons acquise, notamment rester un leader mondial dans le domaine de la prévision numérique, renforcer la fiabilité de nos alertes anticipées en cas de conditions météorologiques extrêmes, car c'est clairement ce que nos États membres et les services météo en Europe considèrent être le plus important. Et c'est précisément ce que nous leur fournissons. Reste désormais à inclure dans notre système de prévision la chimie atmosphérique, la représentation de la glace, y compris les glaces de mer, etc. Cela implique une coopération accrue avec la communauté scientifique afin de développer ce que nous appelons un modèle du système terrestre. Ceux à qui les données du CEPMMT profitent le plus sont clairement les citoyens européens. Grâce à l'existence du CEPMMT, ils ont accès au meilleur système de prévision au monde.